Bien entendu, il y a un peu de frustration. C'est un mélange de fierté et de frustration. Mais on n'a braqué personne ce soir. On a fait le match qu'il fallait pour contrarier cette équipe. Je pense qu'avant que Neymar débloque la situation, grâce à son talent individuel, Paris peinait de plus en plus. Et nous, à contrario, sur chaque attaque rapide, sur chaque contre, on était dangereux, à l'instar de Grand Cyr ou de Souk sur la parade de Trapp. Voilà. Je regrette aussi le hors-jeu signalé en première mi-temps, qui est. Oui, on a revu l'image, le hors-jeu est inexistant, ils sont exactement sur la même ligne. Donc, mais bon, ça peut arriver, c'est pas facile à juger. Mais bon, dans le doute, parfois. Voilà, donc. Mais c'est comme ça fait partie du foot, c'est un fait de jeu, mais un fait de jeu qui ne nous est pas favorable. Mais voilà, je crois qu'on. Ce soir, je suis fier du comportement de mon équipe. On s'est encore une fois comporté en équipe. On a montré un vrai visage dans l'aspect défensif, avec une organisation, avec une envie de courir ensemble, de couvrir l'espace, de se couvrir les uns les autres par rapport au talent parisien. Et on a longtemps existé. Il nous a manqué malheureusement un petit quart d'heure. Je voulais qu'on soit à la hauteur de l'événement, parce que mon équipe le mérite. Nous restons sur deux performances incroyables à la maison. On ne pensait pas, nous, gagner des matchs 3-0. On vient d'en gagner deux de rang contre des belles équipes, Angers et Strasbourg. Voilà, je voulais, dans un match qui était forcément où on était exposé, je voulais que mon équipe existe et qu'elle montre qu'on n'est pas en Ligue 1 par hasard. Voilà. Et ce match peut nous amener beaucoup de confiance pour la suite de notre saison et pour la quête de notre objectif qui est tout simplement le maintien et être encore en Ligue 1 l'année prochaine. Oui, félicitations à toi parce qu'il a fait un bon match ici, une équipe avec beaucoup d'ordre défensif et aussi avec joueurs pour la transition que quelques moments. On a à nous une difficulté dans les matchs, mais je crois que nous avons fait un match avec la tranquillité. On fait un match avec la constance et aussi les petits espaces que nous pouvons chercher dans l'adversaire, qui n'est pas facile. Je crois que à la progression de les minutes dans les matchs, nous pouvons marquer des buts. Mais c'est vrai que la difficulté d'aujourd'hui, c'est une difficulté que c'est bon aussi pour nous, pour toute l'information que nous a donné les matchs. Et nous sommes contents pour les 3 points, mais aussi pour les matchs, pour choisir bien les problèmes pour les prochaines.